je m'appelle Tanguy Chavant, j'habite à Lesnevin et j'étudie à l'UT Gaco de Morlaix. J'aime le sport, j'ai pratiqué le football et l'athlétisme. Bonjour, moi c'est Mathieu Gaillard, j'ai 18 ans, j'habite à Plouaniel. J'étudie à l'UT Gaco de Morlaix. Actuellement, je pratique du football et du trail, c'est-à-dire de la course à pied. Bonjour, je m'appelle Mélène Trino, j'ai 18 ans, j'habite à Saint-Malo. Actuellement, je suis en DUT Gaco à Morlaix. J'ai pratiqué le karaté pendant 7 ans et je fais régulièrement de la course à pied. Dans le cadre de nos études, nous avons pour objectif de réaliser un projet de tutoré. Pour cela, nous avons décidé d'organiser un mini trail pour enfants. Nous avons donc collaboré avec l'association Vrai Sport Aventure. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un trail ? Le trail est un sport de course à pied qui se pratique en longue distance, la plupart du temps en forêt, sur des sentiers de randonnée ou encore sur des petits chemins. Le 8 avril prochain, nous organisons le mini-trail au stade municipal du Folgoët lors de l'événement du trail de la Mervaque. Il y aura deux courses organisées pour ce mini-trail. Une pour les 6-9 ans de 1,5 km. Et une autre pour les 10-13 ans de 2,5 km. Les 6-9 ans commenceront à 10h15. Les 10-13 ans se lanceront dans la foulée. Pour s'inscrire, c'est simple. Sur place dès 9h15 ou sur le site Clickego dès à présent. Les courses et les animations restent gratuites. Cependant, il y a possibilité de faire sur place des dons pour l'association Le Week-end de l'Espoir qui lutte contre la mucoviscidose. On compte sur votre soutien. Après la course, les animations seront mises en place. Les enfants pourront y participer jusqu'à midi. Elles seront gratuites. Nous vous donnons donc rendez-vous le 8 avril au stade municipal du Folgoët. Si vous voulez vous amuser, passer un bon moment, venez nombreux!